Et salut à tous. Donc on se retrouve devant le testament bleu, on va débuter le combat tout de suite. What does it matter? Or do you need a name to describe me? A definition by words is merely a means to deceive oneself. It's meaningless before the truth. What matters is how you perceive things. The slightest shift, then life and death no longer have any meaning. Huh? You don't get it. Well, how about I show you? Get out of the way! Hmm? I said get out of my way! Ah, you've got guts, boy. Why don't you make me move? Shouldn't be a problem for a URTV. Now should it? You're damn right! Alors dommage que Junior soit énervé parce qu'il allait nous révéler des trucs et nous dire qui il était. Alors c'est un boss très dur. Parce que déjà il fait ça. Et on ne peut plus utiliser de... Comme vous voyez, d'attaque... de skill en fait. Et c'est pour ça qu'on va faire ça. Alors... On voit, il se booste beaucoup. En fait, je vais l'enlever du HVWS parce qu'il faut que je le vole. Je vais l'enlever aussi. Ok.
On va se défendre. Pourquoi je pense qu'il va faire une grosse attaque là? Alors, si vous demandez pourquoi il ressemble à ça, qu'il était pas comme ça, c'est simplement son mecha. Hein. Ah non, il est type G. Ah non, c'est un. Putain, il est en type Gnosis. Bon, ça, c'est trop bizarre. Je sais qui c'est le perso et ça a rien à voir avec un Gnosis. Bon, bref. Ah, mais si, ouais, ça a un petit sens quand même. Bon, bref, je parle tout seul. Je peux pas vous en dire plus, tout ça. C'est vraiment un Gnosis, mais. J'aime bien les alterations d'être ça. Hein. On a plus que des attaques à distance du coup sur lui. Il vole. Pas grave parce qu'on a que des persos qui font des attaques à distance. On a volé Gemini Clock, c'est pas le bon truc. Il a baissé notre attaque. Hein. C'est pour ça qu'on fait pas super mal. C'est pas grave parce qu'il a pas énormément de vie. Le mieux c'est d'Archeos. Il peut baisser l'altération d'état. Il a encore des. Ok. Là, je vais le défoncer comme ça, je pense. Ah, je pensais faire plus mal que ça. Il semblait que c'était pas cet objet qu'il avait, bon c'est pas grave. C'est là qu'on voit que les boosts, hein, c'était vraiment trop pété. Je l'enchaîne totalement. Je
Il y a plus de 400. Je vais pas le tuer là. Juste vérifier quelque chose. Samurai Heart, Gemini Clock. Ouais, c'est bon, j'ai les deux. Merde! Ah, le bâtard. Tant pis, je le tue pas sur les points. C'est vraiment dommage qu'il ait fait ça juste avant. Qu'il m'ait charmé juste avant. Parce que sinon, j'avais le bonus de points, mais. J'ai charmé Cosmos juste avant qu'elle attaque son coup final. Just too different. Isn't that right, boss? Well then, I think our friend has already left, and it's about time for me to make my exit. I have a busy schedule to keep. Wait! What are you trying to accomplish? Why did you come here? You wanna know? Then come to that time. To that place. You know what I mean. Huh? I'll be waiting for you, Shion. The Song of Nephilim has ceased all functions. The Rhine Maiden is clearing away the remaining Gnosis. I see. Junior, are you all right? Yeah. And you guys? Man, who was that? He had an aura of incredible power. I don't know. I don't understand any of this. Let's go back, Shion. Yeah. Voilà, voilà. Donc, c'est très énigmatique tout ça. On a obtenu deux nouveaux objets. Samurai Heart et Gemini Clock. Je ne sais plus ce que c'est, donc je vais regarder. Je ne sais même pas quel type d'objet c'est. Ah, je crois que j'ai vu Samurai. Ah, Gemini Clock. Ça double temps des statues d'effet, ok. Et Samurai Heart. Ah. Ah bah super. On a enfin le truc. Donc, j'ai 10% de chance d'avoir un counter, c'est-à-dire d'avoir mon tour quand me tape. Mais par contre, j'accumule que la moitié de la bouche jauge. Ok, ça marche. Mais du coup, on peut mettre ça. Je vous montre comment ça fonctionne. Du coup, le nouveau truc qu'on peut faire, c'est ça. On peut extraire... du coup, le Samurai Heart. Pour avoir counter plus 10. Ok, ce qui fait qu'on a 10% de chance de counter en plus. Et grâce à ça, on peut utiliser, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait un autre objet, celui-là. Qu'on auto-boost quand on se fait taper, mais il fallait counter plus 10, donc c'est grâce à ça. Donc voilà, en combinant les deux, on peut attaquer dès qu'on se fait taper, quoi. Ce qui est fort. Et du coup, le testament bleu nous a dit qu'il nous retrouverait... à un certain moment, à un certain endroit, on ne sait pas de quoi il parle.
Et les Kirsch, ouais, les Kirschwassers, c'est les ralliants de série 99 qu'on a vu là. Et d'ailleurs, on voyait dans une scène avec Momo que qu'elle disait qu'elles n'étaient pas pareilles que elle, que Momo, ouais. Et que Momo donc est donc spécial pour Joachim Israël, mais sauf qu'on le savait déjà plus ou moins, puisque sinon il n'aurait pas mis les données dans sa tête. This? Yes. Please, for their sake. Chaos? Do you think this'll put the Kirschwassers to rest? Well, their thoughts and feelings now exist within Momo. Their wish finally came true. I hope so. Maybe. That's what Albedo wanted. Junior. It's because I couldn't. Little Master. Yeah. Go ahead. Something's wrong. It's... The Gnosis! The remaining Gnosis! They're being... Supposed to be destroyed. Proto Merkaba. Proto Merkaba? The place where I was born. That bastard summoning needless toys. You've forgotten your duties, haven't you? Never mind that. Come back, Virgil. What's your problem? I don't take orders from you. And stop talking inside my head like that. I'm not used to it yet. I'm afraid you'll need to get used to it. That's... A
So that's what this is all about. You're quite the cunning little bastard. All right then. But next time, I'm doing things my way. That's what's intended. Did you say this is where you were born? Yes. Daddy gathered together the data he needed to create me on Milsha, and then he sent it to Proto Merkaba. Are you saying that this thing was built for the purpose of creating you? That wasn't its original purpose. It was created to discover the true form of the universe, the form we ourselves were meant to have. But then he took it and... Exactly. Just think for a moment about all the phenomena brought about by that lunatic. If that thing, the song, and the Zohar all linked together... That's exactly why we dropped it into the abyss after we recovered the 100 series. How is it that it has returned again? I don't know, but the original is still on Milsha. With only Proto Merkaba, he can't... Originally, this thing, the Song of Nephilim, and the Zohar were a single apparatus. The Gnosis which seek the Zohar are responding to the faint waves that emanate from the sealed-off Milsha. This thing uses the Gnosis as a medium to collect the waves from the Zohar and store the energy it needs in order to operate. How the hell do you know all that? It was Ma'pesh. When I linked with her consciousness, I learned how to use this thing. I'm really quite grateful. Let's see then. I wonder how long it'll take to charge. 5 minutes, or perhaps 10. You look a little pale there. Scared, are you? Perhaps I should just turn you all to pillars of salt. That's not a bad idea. Red will become white. Don't mock us, you bastard! So, what to do? All right. I know. My next target will be... The weapon is retargeting! It's aiming straight for the capital of Second Milsha! What did you say? Exactly. Those 100 series are sharp, aren't they? Won't let you do this! Listen to me, Albedo! You stay right where you are!
it's time for you and me to settle this. Oh, please. That's not like you at all. You don't really give a damn about others, do you? What? Well, fine. Stop me if you can. I'll be waiting. Damn it. The target is a giant experimental facility that was long abandoned before its completion. A network of tunnels runs through the facility, and the reactor core is located at the Nexus where they all meet. All we have to do is take out that reactor, right? Correct. That'll shut down Proto-Merkaba completely. The data I sent to you earlier includes a map of the most direct route to the core. Right now, you are our only hope. I ask you on behalf of the Federation government, and as a member of the human race, to destroy that abominable machine. Once and for all. Mommy. Et voilà, il se passe beaucoup de choses hein, depuis que Albedo a reçu les données Y. Du coup, on apprend que le testament bleu est Virgile, qui est pourtant mort, et c'est sûr, sur le Woggling Day d'ailleurs, qui explose juste derrière, donc on ne comprend pas comment il peut être vivant, même si il avait dit hein, que de toute façon, pour lui, enfin. Que la vie et la mort étaient un petit décalage, mais ça n'a plus de sens. Et on apprend du coup également que le Zohar, Proto Merkaba et la chanson des films sont qu'un seul morceau à la base. Alors c'est pas exactement vrai, en fait la vérité c'est que les trois vont bien ensemble. Mais bien sûr le Zohar est bien plus vieux que Proto Merkaba et la chanson des films qui ont été créés par Joachim Mizrahi récemment, alors que le Zohar est vieux de très très longtemps puisqu'on le voit dans les années 2000. Ce qu'il voulait dire, c'est pas que ça a été créé en même temps, mais que en gros la chanson des films et Proto Merkaba ont été créés pour contrôler le Zohar. Et du coup, Virgile, le Testament Bleu, a également reçu les données de... Les données Y envoyées par Albedo, on le voit. Et parce qu'au début, il dit « Qu'est-ce qu'il fout, ce con, là ?» Et après, quand il lui envoie les données, il dit « Ah, ok, je comprends. » Donc on comprend qu'Albedo a un plan, il veut plus s'amuser, mais on peut pas trop comprendre encore ce que c'est. Et du coup, là, on obtient enfin la dernière attaque de Cosmos, Hard Dragon. Qui est sa meilleure attaque physique, on va dire. Hop. C'est pour ça que je voulais pas trop booster ça. Parce que ça, c'est mieux, en fait. Les deux sont type hit. Mais celle-là est plus puissante. Et on va lui mettre tout de suite, voilà. Donc pour l'instant, on comprend pas exactement ce que c'est tout ça, qu'est-ce que Joachim Mizrahi voulait faire, mais ce qui est sûr, c'est que... c'est qu'il faut, arrêter Proto Merkaba, parce que sinon il va détruire la seconde Milsière. Hein. C'est la planète qu'on voyait dans la cinématique, parce qu'on n'est pas très loin. Et du coup, ça, c'est la suite de la quête avec le hacker. Alors, je ne pourrais pas tout lire, mais je vous descends si vous voulez mettre la pause pour tout lire.
Ouais, on gagne 200 000. On stack charmer, hein, c'était les deux hackers. Voilà, et on va télécharger. Ah, mais non, il n'y a pas besoin en fait. Ça... Je croyais. C'était pour l'argent, mais ça se fait automatiquement. Bref. Donc voilà, voilà pour ce qui se passe dans l'histoire. Et du coup, là, en gros, on pourrait finir le jeu en allant sur Proto Markaba, et c'est la fin du jeu, c'est le dernier donjon. Mais on ne va pas le faire parce que, bien sûr, il y a pas mal de choses à faire avant, comme des quêtes annexes. On a des trucs à récupérer aussi. On a des, ouais, on a des petits boss optionnels à faire. On a bien sûr à récupérer tous les objets derrière les portes là, les fichiers fragmentaires. Tac. Donc il m'en manque encore 1, 2, 3, 4, 5. Je peux pas toutes les avoir parce qu'il y en a certaines qui sont justement sur Proto Merkaba, je crois. Mais on peut déjà faire ces deux là, ces trois là même. Donc on va aller récupérer ces trois là. Après faudra faire deux petits boss optionnels. Quand on aura récupéré tout ça, on aura le robot complet. Qui va énormément nous aider, puisque justement les boss optionnels sont une purge, c'est horrible. Mais grâce au robot complet, on va pouvoir les battre facilement. Et puis une fois qu'on aura fait toutes ces quêtes annexes, je pense que ça va pas prendre plus d'une vidéo, et ben on pourra aller au donjon final du jeu et essayer de comprendre ce qui se passe, même s'il y a encore des mystères sur notamment Chaos, sur bah, qu'est-ce que compte faire Albedo, qu'est-ce que les testaments sont, à quoi ça sert Proto Merkaba, la chanson des films, tout ça, d'où viennent les Gnosis, pourquoi Chon est lié à tout ça. Et bien d'autres choses qu'on découvrira au fur et à mesure, c'est pas pour rien qu'il y a trois jeux, c'est parce que l'histoire est longue. Mais du coup, là, on va aller... Hop, encore un mail. Alors ça, c'est juste pour nous dire qu'on peut retourner dans la chanson des films avec le VS. Mais nous, on va aller dans la zone résidentielle pour sauvegarder. Il faudra aussi récupérer les armes, les meilleures armes du jeu. Et vous verrez qu'il n'y en a pas pour tous les personnages malheureusement. Ah voilà, donc il y a beaucoup de questions en suspens. Vous verrez que le deuxième jeu, on en parle un peu tôt, mais il est très très différent du premier. Mis à part que c'est le même personnage et la même histoire qui continue, il est différent sur quasi tout. Que ce soit le gameplay, les graphismes, les musiques. Mais c'est... En gros, s'il n'y avait pas l'histoire en lien entre les jeux, on ne croirait pas que c'est le même jeu. Vous verrez. Le style n'a rien à voir. On va sauvegarder là. Et je vous dis du coup, bah, à la prochaine. Pour finir toutes les quêtes annexes. Avant de finir le jeu. Salut.